Et en général, on retourne un peu autour pour essayer de voir ce que ça donne. Gauche était transpercé. J'étais invalide, peut-être estropié à vie. Il suffisait qu'il pousse lui aussi. Ah merde, il m'a pas tué. Hein. C'est-à-dire que là, le combat est terminé, on est bien d'accord. Oui, mais si j'avais poussé très fort, ça lui aurait donné un impact. Mais on dirait que j'ai plus 20 en calice. Ouais, mais ta maille, elle est à bouter. Oui, c'est vrai. C'est de la maille à bouter, c'est de la mauvaise maille. C'est-à-dire que ça rentre. Bon, ça me permet d'éviter les choses comme hommes, ça, mais là, comme ça. La plus grosse, hein. Ça rentre. Maille. Bon, on reste des garçons. Tu crées la maille. Alors vous n'avez peut-être pas vu, mais là je vais le perdre un de moi. Et quelqu'un qui se bat sur ses mains, il se bat comme un pied. Voilà. Attention, vous avez vu, comme elle lui a revenu dans la gueule, sa propre lame, vous pouvez découper la tête de quelqu'un comme ça, à cause de l'effet ressort. Donc faites-toi avec celle-là. Un bracelet en cuir magique qui m'a fourni l'effet. Et moi je sentais bien qu'il ferait rentrer dans l'os de la hanche là. Oh bah moi je me fais une belle entaille comme ça. La pas voilà. Ici, c'est comme l'utérus de tonnerre. Hein. Le temps que tu. Ça pas difficile de lui aller chez la pas difficile d'avoir ça. Pareil. Les deux mollets risquaient d'être découpés. Et ne serait-ce que le tirer comme ça. Ah non, on le tire pas. Oui, on va pas le tirer. Parce qu'en fait, si on fait ça. Trois. Voilà. En douceur. Oui, en douceur. Oui, oui.